Deuxième partie de ce live, on va découvrir la démo de Plastomorphosis, petit jeu rétro horreur qui m'a l'air assez salentilesque. Je crois que ça va probablement y ressembler. Même la musique, je trouve, fait un peu Silent Hill 1. Enfin, vite fait. Hein. écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc ça va sûrement être... j'espère que c'est juste ça sera pas gameplay tank. Et je crois que c'est vu la troisième personne, etc. Et il y a des mannequins. J'ai quoi sur la tête? Oh, j'ai un casque! Parce que je suis moche? Coucou Miu! Prends le téléphone, Gilbert! Hello, my name is Ava. Mon nom est Eva. I hope somebody is listening to this. J'espère que quelqu'un écoute cet enregistrement. Je suis sur le chemin pour aller à la ville. Evacuating from dark energy bursts that outspread on the continent. The modern city will be a safe haven for me and other people too. OK, elle suit quelque chose et elle espère qu'en ville ça ira mieux. Et elle laisse des notes au cas où quelque chose se passerait mal. Mais mon instinct me dit que voilà, ça va pas être fou. Le métro et les mannequins, ça peut penser au jeu avec le clown. Ah oui, le truc à jumpscare là, non? Attention tous les citoyens. Tous ceux qui viennent d'arriver à Modern City doivent évacuer le train. Parce qu'il y a dark et il y a des radiations d'énergie noire. Et j'ai pas le temps de lire le reste. Oh non, fais chier. Alors... bonjour de Eva, étranger, j'espère que tu auras ce message. Alors, comment je joue? Ah, ok. Vous êtes probablement arrivé et vous attendez votre transfert. Donc maintenant, vous devez utiliser vos muscles et vos jambes sur la plateforme. N'achetez pas d'eau au distributeur. Elle est un peu bizarre. Enfin, bref. Si vous avez... follow the green light... Okay. Si vous avez besoin de de vie privée, c'est pas ça que je voulais dire, mais bref. Suivez la lumière verte jusqu'au restroom. C'est facile de rentrer, mais c'est dur de sortir. Je rigole. Si quelqu'un vous embête, tournez autour et... enfin, faites demi-tour plutôt. Turn around. Tournez autour de l'ennemi. Non, faites demi-tour et il vaut mieux s'enfuir. Les gens peuvent être un peu méchants après l'évacuation. Vous pouvez utiliser votre téléphone, votre nouveau téléphone maintenant comme flashlight. Ne vous perdez pas dans le noir. Ok. Je vous ai laissé un spécial QR code sur les murs. Ça peut aider les nouveaux. Parce que tout le monde est un petit peu intimidant. J'espère que le code ne sera pas effacé par les Sovereign Soldiers. Les soldats de... je sais pas quoi. Eh bien, bonne chance. J'espère qu'on se rencontrera bientôt. Ok, putain, ça a l'air vénère comme jeu. Attendez. Alors, je me déplace comme ça, j'attaque avec le clic gauche, je prépare mon arme avec le clic droit, space interact, reload, R, d'accord, je peux run, j'ai un inventaire, je peux combiner des items, ok, oups, oh là là, c'est les contrôles tank. Non, ça va, c'est bien fait. Enfin, ça a l'air bien fait, quand même. Ça a l'air jouable. Donc voilà, c'est clairement rétro. Type Resident Evil-esque, Silent Hill-esque. Plus de mannequins. Ah, est-ce que, du coup, j'ai un inventaire? Oui, j'ai une bouteille d'eau. L'eau, c'est la vie. Ça peut aussi soigner la santé. Et ça rend plus rapide pendant un certain temps. Bonjour, il y a quelqu'un, là, je crois, non? Salut. Ah, c'est un mannequin. Ah, il a une cravate. C'est pour aller à la fashion show. Qui fait des blagues. Ouais, c'est tank, mais moderne, donc ça va. Ça se passe bien. Boop.
Donc de l'eau. Le QR code. C'est définitivement mélangé à la nouvelle eau par les gouvernements souverains. Si t'as pas trop soif ou t'as pas trop faim et que tu veux plus d'énergie. Ah, c'est de l'eau miraculeuse, ok. Ok, alors je sais pas ce que. On sait pas encore ce que c'est la Dark Energy. Et pourquoi elles ont toutes des cravates hein. Ah, je cours un peu au ralenti, c'est bizarre. Poup, poup, poup. J'ai le pas lourd, hein. Attends, y'a un truc là-bas. C'est le du souverain. Ah. Sauce Park of Magnet. Ok, j'ai un morceau de démon. Il y a une fat lumière. Oula, c'est quoi ça? Ah, c'est la. Oh putain, d'accord. Je vais sur la voie de train. Oh non, j'ai trouvé un teddy bear. Fuck. C'est tout ce que teddy bear et on peut pas lui faire confiance. J'ai rencontré un garçon qui avait plein de teddy bear. Je lis vite, j'en ai marre de lire. Je me demande où est son père. J'ai pas vu le garçon. J'ai plus vu le garçon. Ok, il le prend quand même. L'ourson. Ok. Oui, la dernière fois qu'on a rencontré Teddy, il nous a éventré, hein. Rappelez-vous. Alors, est-ce que je peux passer par là ou pas? Évidemment, non. Ah, il y a un symbole de cœur. Je me demande ce que ça veut dire. Use. Oula, examine. C'est silence déplacé. Il n'y a pas un truc caché sous ces pansements là? J'ai pas confiance. Ok. Du coup, j'ai la main sur la souris, mais ma souris ne me sert à rien. Ah, mais c'est ouvert en fait ici. Je vois plus mon perso. Ah, ouais, c'est... Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien là-bas? Non. Exit. Ça a l'air bien ça. Oula. Y'a pas de save dans le jeu, hein. Je crois pas, hein. Système. Je peux load game, mais je peux pas save. D'accord. Ça, c'est peut-être une save, non? C'est quoi? Je crois que je suis monté dessus. Aucune idée. C'est un peu genre. Oh là là, y'a la caméra qui se penche comme Silent Hill. What the fuck? Caméraman, merci. Oh, y a un gros œil là. Mais c'est. Mais c'est vous, c'est un moignon. C'est un moignon. Alors là, par contre, c'est gros plagiat Silent Hill 2. Hein. Parce que ça, normalement, y a que dans Silent Hill 2. Ils ont plagié un moignon. Le moignon originel. Activate power socket device. Ouais, vas-y. Hein. Ah, y a pas assez de courant. Je reviens, je vois ça, je comprends plus rien. On a bifurqué le jeu. Hein. Oh, le moignon originel, quoi. Incroyable. Bonjour. Ah. Caméra. Bah, ce jour, on vient juste de le lancer, donc pour le moment, je peux pas encore dire si c'est bien. J'espère que tu vas bien. Je peux pas dire en temps pour moi. Ok, les soldats essayent de nettoyer le complexe. Je pense que j'ai trouvé un moyen de sortir dans la maintenance room. Pour ouvrir la maintenance room, il faut correctement placer les plugs de power into sockets, mais pour éviter le changement du code,
I encrypted it in a small poem. Oh là là, faut lire un poème. J'ai fait de mon mieux, ok, ne me blâme pas. Ah oui, comment? Ah ok. Alors, quelque part au milieu, il attend le Reaper, le tueur du pré. J'ai plus envie de traduire, putain. The Brave Warrior, le guerrier brave, n'a pas peur. Le tueur se reflète dans tes yeux. Il y a un vide nul entre le Warrior et le Reaper. Oh là 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 là. Donc là, il y a un code. Fort bien. Il y a un code dans ce poème. Bienvenue à l'Ovalia, des gros bisous. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un peu peur. Je vois pas où je suis. Il y a un 7. Il y a un 7 écrit sur le mur. Non, sans deck, merci. Je l'avais vu. Hein. Putain, mais il y a des moignons, quoi. Alerte aux moignons. Il y en a plein. Il y a un délire, en tout cas, avec les mannequins. Pourquoi il y a des mains qui flottent et qui tournent? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas tout, là. Il y a un 2. Ok, 7-2. Oula, il y a un moignon coupé en deux aussi. Je suis pas retourné en arrière. Non, c'est bon. Ah, une batte avec des clous. Cool, on va s'armer. Ça sera fait. Équipe. Voilà. Et normalement, si je fais ça... Là. Ok. Encore du texte. Bon, écoutez, je vous laisse lire. Ouais, il parle de la... Il parlait de la batte, etc. Tablette. 1, 2, 3, 4. 1, 4. Ne dites pas que c'est la même énigme que dans... Que dans Hello Charlotte, hein. Ça va chier des bulles. Rêve de la lecture. Attends, mais il y a un truc là. Je le vois d'ici. Eh, je peux pas aller par là. Fuck. Ah. Strange power plug. Ah mais il m'en faut 4, c'est ça, non? Voilà, je suis un peu perdu. Je viens d'où? Je suis déjà allé par là. Ah, ça sent le monstre. Ouais, effectivement, il y a quelque chose. Quelque chose, mais il est parti. Ah, attends, mais je suis retourné en arrière. Et ben, un autre passage à côté. Dis, il y a combien de chiffres à la solution? Attends, mais j'arrive pas à retourner en arrière. C'est parce que je me suis mangé le mur. Ah non, mais y a pas de passage là en fait. Non mais d'accord, ok, y a rien d'autre ici. Allô? Le perso est très très lent à avancer, c'est terrible. Et là le pire c'est que je cours. Du coup quand la caméra change et que je vois pas mon perso, je panique un peu. Je repasse dans l'autre sens. Poupoulou poulou poulou. Ah mais il est là. Bon ça va s'il m'attaque pas. Tranquille Mimi là. On a vu que deux chiffres du coup, non? Et où
vais-je? Attends, mais j'ai pas loupé un chemin. Vu de face, quand tu cours, c'est très drôle. Ah non, mais la course, c'est ridicule. Hein. Ok, y'a rien là-bas. Y'a rien, y'a rien. La cam suit pas. La course est vraiment ridicule. On dirait que mon perso pèse 3 tonnes et demie en fait. Hein. Bon, alors je peux mettre le plug là-dedans, mais du coup il m'en manque encore deux quoi. Non. Il est où le plug? Là. Examine. Il y a un squelette dessus. Et ça, c'est marqué quoi? Marqué 4. 4 et 1. Et de toute façon, j'ai pas d'endroit où rentrer un code pour le moment. Hein. Et du coup, je vais où? Faut pas que je retourne en arrière quand même. Oh, il y a une main là, j'avais pas vu. C'est rigolo. Je sais pas bien où je vais. Allô? Oui, alors la cam est trop loin, donc je ne vois pas quand je pute contre un mannequin, quoi. À l'aide. Alors je retourne en arrière, mais je suis vraiment pas sûr que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Là, il y a des bouteilles d'eau. J'ai pas été là. On me donne un petit peu trop de soins à mon goût. Hein. Ouais, les 2-3 étaient en surbrillance, ouais, j'ai vu. Terminal et disable. Parce qu'il n'y a pas de courant. Il faut un fuse key. C'est pas un fuse key que j'ai, moi. Non, c'est power plug. Je peux utiliser cet ordinateur pour sauvegarder mon progrès. J'ai sauvegardé mon progrès. Alors, là il y a un truc. T'en vois rien. Donc ça parle des soldats, c'est bizarre, blabla. Mais vous êtes sûr que je peux pas utiliser mon plug ici en fait pour remettre le courant? Power distributeur, fuse key, ouais, bah non, c'est pas ça là. Ah, Teddy, je sais pas à quoi il sert par contre. Ouais, on demande un fuse, du coup c'est pas ça. Mais je sais pas où aller du coup. Je retourne encore en arrière? J'ai pas le choix. Hein. Ouais, mais je vais où? Du coup je suis bloqué. Ouais, j'ai un bout de magnète aussi, j'avais oublié. Il y a le Teddy. Mais je sais pas quoi il sert. Il y a ça pour entrer un code quelque part, mais j'ai pas trouvé de code à entrer pour le moment. On est déjà bloqué. Et là, je retourne complètement en arrière. Alors, est-ce que le deuxième escalier, attends, m'emmène quelque part d'autre, peut-être. Non, c'est la même chose. Je suis au même endroit, sauf que je suis sorti plus loin, je crois, c'est tout.
Ouais. Ouais. On dirait vraiment genre qu'il a un truc dans le slibard qui l'empêche de marcher correctement. C'est n'importe quoi. Ah mais je suis revenu ici. Genre, il a un jean trop serré ou un truc qui pique ou je sais pas, tu vois. Tu vas bien bloufler. Oh là 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 là, attends, les escaliers sont là. On va dire que c'est à cause de l'énergie noire. Ouais, ça doit être ça. Bon alors. Là, il y a rien d'autre. Là non plus. Là, bah c'est le début. Ça, c'est toujours fermé. Avec symbole de cœur. Je peux pas mettre ça, c'est ça a aucun sens. Mais non. Est-ce que je peux pas monter dans le train ? J'ai perdu mon perso. Ça a pas l'air. Au fond, j'ai rien loupé. Le magnète sur la porte. Bah ouais, mais il me dit qu'il faut l'autre partie. Tu vois, il dit qu'il faut l'autre partie pour que ça marche. Je peux pas monter dans le train, c'est ça que je voulais essayer de faire. Ah oui, non, gardez vos patounes, hein, les moignons, hein. Parce que les sons, je les ai pas remis encore. J'ai pas eu le temps, je suis désolée. Ah, est-ce que je peux monter dans le train? Alors, c'est grand ouvert, je crois, mais j'ai pas l'air de pouvoir monter. Bah ça, oui, on l'a vu, c'est le début. Ah, mais la porte verte, là. Ah, mais attends, je peux passer de l'autre côté. Là, non? Ah, c'est quoi ça? C'est bestiole? Oh putain. Alors les caméras sont vraiment mal foutues. C'est pas opti, hein. Ah là, il y a une porte. Attendez, avant la porte. Il y a rien ici. Okay. Bon, pitié, faites que la porte soit ouverte parce que... Oh, ça a l'air fermé. Oh, c'est fermé. Il y a un étrange bloody inlet. Je me demande comment l'ouvrir. Avec ça? Non. Avec ça? Ah merde, j'ai cru vraiment qu'il s'est passé un truc. Coucou Salia! Je débarque et je vois ce mec qui a visiblement une gastro fulgurante, mais où sont les toilettes? Attendez! C'est vrai qu'il n'y a pas le son du zoom aussi, c'est extrêmement perturbant. C'est vraiment perturbant. Mais le Teddy me sert à quoi? Use! Je peux pas le use. Et puis ce monsieur doit être très moche aussi parce qu'il veut pas quitter son casque de moto. Genre il a pris le train comme ça quoi. C'est assez bizarre. René, la caméra s'il te plaît. Merci. Bon, la porte verte là-bas. Ça a l'air d'être ouvert. Ça, c'est ouvert ça. Oh oui, un endroit ouvert. Ah mais j'avais peut-être loupé ça au tout début du jeu comme une débile. J'ai power kill, ok. Oh, j'ai des balles de 9 mm. Des power kill, des pain killer. Je dis n'importe quoi, pardon. La fatigue est présente.
Water bottle. L'ordinateur, il dit quoi? Ah, il dit que je peux sauvegarder. Ok. 23h29. 8. Je peux regarder mon swag. Est-ce qu'on va enfin enlever le casque? Ce serait peut-être temps. Je me demande ce qu'il y a ici. Où est tout le monde? Cet endroit est tellement vide. À part des mannequins. Je t'attends dans un nouvel endroit, une nouvelle réalité. Promets-moi que tu viendras. Non mais... Alors je veux bien l'aspiration et tout. Ah, je pense que j'ai vu un fantôme. Là, c'est... On est dans la maîtrise. On est dans un plagiat de Silent Hill 2 aussi. Hein. Qui est Eva, la fille que j'ai eu au téléphone dans le train? Ah, je sais pas, c'est trop bizarre. Je t'attends dans notre endroit spécial, mais cache-toi, le jeu n'a demandé d'accord. Dès que j'ai entendu la voix, j'ai fait. Bon, la musique est jolie malgré tout. Bon, après, je dis pas, l'histoire a l'air quand même différente, mais. La vache, il y a pas mal de clins d'œil, hein. Ce flèche bouton est broken. Du coup, l'eau ne peut pas aller dans le tuyau. Je pense qu'il faut knocking on the drain tank. Peut-être qu'il se passera quelque chose. Droite, droite, gauche, gauche. Eh ben... Droite. Il y a même un truc avec les chiottes. Droite. Le bouchon. Gauche. Gauche. Et maintenant, j'essaye de tirer la chasse. Ça n'a pas marché? Et j'ai fait ce qu'il fallait là, normalement. J'ai fait droit, droite, gauche, gauche. Voir dans l'autre sens. Gauche, gauche, droite, droite. Ah bah c'est dans l'autre sens, ok. Oh là, il y a une énorme trousse de soins dans les chiottes. Génial, je vais vous proposer de la prendre. Je pense que c'est très hygiénique tout ça. Après il y a des petits boyaux dans les toilettes. C'est bien, au moins ils rangent leur truc. Après il assume fou le côté Silent Hill RE, c'est son argument de vente. Ouais, ouais. Bon, ça me dit toujours pas ce que je dois faire hein, quand même. Ça, c'est terrible. Castagad. Ah, mais j'ai pas été là. En fait, j'ai loupé plein d'endroits. Il y a un kickpad avec une glace protectrice. Je peux pas y casser avec mes mains. Plus tard. Bah, je peux y casser comme ça. Voilà. Demande-moi le jeu si tu sais pas. Alors, rentrez le code. 4-2. Et il y avait 2-3 qui étaient 4-2, 2-3. Ah mais c'est un code à combien de chiffres? C'est quoi? Ah non, c'était un 7. Attends, je me rappelle déjà plus des chiffres. On avait vu 7. 7-2. Non, je dis n'importe quoi. 7-2. On avait vu 7-2 et après on avait vu le 4 là. Alors, par contre ils sont dans quel ordre? 2, 3, 4. C'est 2, 4, 1, 2, 3. Sept, deux, quatre, un, deux, trois. Je peux pas appuyer sur le bouton vert. C'est bizarre. 7, 2, 4, 1. Euh,
Quelqu'un a le code. Appuie sur entrée. 7, 2, 4, 1. Bah, je sais pas ce que ça fait quand j'appuie sur entrée. Ah, mais je crois que ça m'appuie sur le chiffre en fait. Quand je fais entrée. Ouais. Et pourquoi je peux pas appuyer sur le bouton vert? C'est 2, 4, 1, 2, 3. Je peux pas appuyer sur le bouton vert à l'aide. Alors la caméra m'a encore abandonné. Il faut que je trouve un truc qui est hors cam. C'est ça qui va être. Tout. Ouais, d'accord, ok. On s'en fout. Ici, y'a rien. Petit trèfle à Half-Life, plaisir, ou ça? Le E en bas à droite du clavier numérique. Ah là! Oh purée! Ah oui, d'accord, pardon, excusez-moi. Alors, non, mince. Je suis fatigué, pardon. Alors, on a dit 7, 2, 4, 1, 2, 3. Non, c'est pas ça. 7, 2, 4, 1. C'était bien 7, 2, hein, les chiffres. Il me semble, hein. Je sais pas pour le code là. Comment savoir si c'est le 4 avant? What? C'est marqué avec du sang. Oui, alors sans déconner, merci beaucoup. peut-être que les... Attends, quoi? Il a dit quoi? Peut-être que quoi? J'ai pas le temps de lire! Roddy! Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, l'enfoiré. Oh! Il a dit peut-être que... Je sais pas quoi, format, je sais pas quoi. Oh, il veut pas redire. Pourquoi 2, 3? Ah, ou alors c'est un code à 4 chiffres et il faut additionner le deuxième code et le troisième? Non? Du coup, ça voudrait dire qu'il faut faire 7, 2. Non, 7. 7, 6. Bah non, il me manque un chiffre du coup si je fais ça, c'est débile. C'est pas un code à 3 chiffres. Je veux bien un indice, Queen, s'il te plaît. Ou je veux bien le code, même. Parce que je commence à fatiguer. Je vais pas trop tarder à m'arrêter, je pense. On va se reposer un petit peu. La 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 la. Je tourne en rond autour de l'ennemi. Je ne fais rien. Pour les mains, je ne fais rien du tout. Je m'en fous ce jeu. Alors le code à chaque joueur est parti, mais en gros c'est sur le mur. 2-3 sur le mur. Mais 2-3 du coup c'est 4 et 1. 7, 2, 3. Non, attends. 7, 4, 1, 2. Ok. Merci le coin-coin. Ouh. Oh, on a fait un truc. Mon dieu.
On va peut-être se faire attaquer au moins une fois avant la fin du stream. Vraiment, faut changer cette course. Il y a rien qui va dans la course là. Ah, il y a un truc là, mais je peux pas le ramasser. Oh, il y a une hache. Ah non, c'est une flèche. N'importe quoi. Ah, j'ai l'autre part du magnète. Combine. Oui. La pleine force de l'attraction marche seulement si l'autre est présent. Oui, bah c'est bon. Il est assemblé là. Alors je sais pas sur quoi je vais m'en servir, mais... Bon, je vous laisse lire si vous êtes intéressé. Je vais me mettre sur pause. Là, y a rien de tout. Attends, mais y a pas une machine. La caméra. Vraiment, on dirait un cotoré, pas vraiment. Cette démarche de pingouin là, c'est pas possible. Bon, de toute façon, ça va être encore une porte fermée. Ça sonne. Ça sonne. Décroche. Ah, je vois une clé en métal qui est sur le sol, mais je peux pas l'atteindre. Il faudrait quelque chose pour amener la clé vers moi. Avec ta batte, tu peux pas? Oh là là. N'importe quoi. Abuse pas. Bon alors, cette porte, je suppose qu'elle est fermée. Évidemment. Ah, ça a l'air rouillé et tout. Je peux peut-être la casser. Non? Si c'est rouillé et petit. Ah, je peux peut-être tirer dedans, mais j'ai pas de flingue. Ou alors ça, mais j'y crois pas trop. Non. Là, je remonte les escaliers. J'ai déjà fait le tour, mais y a rien. J'ai rien trouvé. Le jeu où on n'avance pas. Oh, à l'aide! 9-5, je retourne là-bas. Mais du coup, je sais pas du tout où aller là si je fais demi-tour. Hein. Mais t'es sûr que tu veux pas. Genre un bon coup de batte hein. Attends, mais toi, t'as rien à me dire là? Non? Oui, c'est que la démo. Hein. C'est que la démo. Bon, après le jeu, je le trouve pas mauvais, je le trouve juste pas très. Pas très bien opti quoi. Genre les cams se mettent un peu n'importe où. Ah, mais là je ressors, mais. Tu as ce qu'il faut pour la clé au sol. Ah! La course du perso est improbable. Puis du coup, c'est très lent. Genre, il est extrêmement lent. C'est ralenti le Resident Evil, tu cours vite, hein. Là, c'est lent de fou. Alors. Ok, comment... Qu'est-ce que... Ah, mais oui, l'élément. Oh, je suis débile. Oh, je suis bête. Non, là, c'est de ma faute. My bad. Small Metal Key. Ouais. Oh là là, on progresse. Ah oui, pardon. C'est marrant parce que ça utilise l'objet, mais il faut, c'est à moi de sortir de l'inventaire, c'est un peu bizarre. Des mains qui tournent. Mais c'est des mains rattachées à rien du tout, c'est un peu... C'est un peu weird. Ok. D'accord. Alors c'est des moignons qui volent. Ah non, c'est pas des moignons du coup. Ah si. Ah non. Enfin...
Moi j'aime bien les mettre dans les dans les endroits de la cam où je suis pas censé aller aussi. Alors comment on fait? Je puce. Ok. Bon ça c'est assez inédit de voir ce genre d'interaction. C'est bien dégueulasse. Il y a le cadavre est énorme. Enfin le squelette. Un corps. Il y a qu'il est pourri depuis très longtemps. On dirait qu'un œil est toujours là. Ah oui, et d'ailleurs il flotte en l'air. Ouais. J'ai un œil. Et j'ai l'œil hein. Sans espoir, c'est noté. Non, non, en vrai, non, c'est loin d'être mauvais, c'est juste des trucs à améliorer, mais... Qu'est-ce que je fais avec mon œil? Putain, alors là, voilà, je suis coincé. Ok, c'est bon. De toute façon, au pire, parce que la démo est un peu longue, je crois. Oh, oh. Au pire, je vous propose qu'on trouve une sauvegarde. Il avait un short brillant ou c'est moi? Il avait un short à paillettes. Où j'ai complètement halluciné. Et ça brillait son derrière, non? Il avait le derrière qui brillait. Ouais, t'as la moitié de la démo environ. Ouais, mais c'est pour ça. Je pense qu'on va essayer de trouver une sauvegarde. Parce que je crois que la démo fait une heure, donc c'est-à-dire qu'il restera une bonne demi-heure. Et je commence à fatiguer. On va essayer de trouver une sauvegarde. Et à la limite, on continuera ça à l'occasion. Par contre, faut que je me rappelle... Putain, la caméra. Je sais pas où je suis. Faut que je me rappelle où sont les sauvegardes. C'était où les toilettes? Putain, la caméra m'a abandonné là. Allô? Ah, c'est embêtant. Non, non, mais je veux pas aller là. Je veux aller en arrière là. Ah, la vache. Ok. Ah, bah, les toilettes sont juste là. Écoutez, c'est parfait. Bah, je crois, hein. Ouais, j'ai trouvé les toilettes. Oui. Parfait, écoutez, comme ça on va sauvegarder. Et la prochaine fois qu'on fera une petite compile Twitch.io, etc, bah on commencera par terminer cette petite démo. Et puis voilà. Mais non, clairement c'est pas mauvais, c'est juste que c'est un peu c'est pas nul du tout, c'est juste que c'est un peu galère à jouer. Il y a pas mal de trucs à améliorer, mais bon, c'est la démo, peut-être que le dev il aura peut-être le temps de régler ses problèmes pour le jeu. Ou peut-être qu'il le fera pas, on sait pas. Ça c'est mystère et boule de gomme après.